Ce n'est pas simple hein, de demander à quelqu'un de se taire sans le vexer. Même en français quand on réfléchit bien. Et alors en libanais, ça peut vite créer un incident diplomatique quand vous n'êtes pas à l'aise de base dans la langue. Alors, c'est vrai que souvent demander à quelqu'un de se taire peut être agressif volontairement. Mais des fois, on a besoin de demander le silence pour des raisons urgentes, parfois parce qu'on a entendu un bruit peut-être inquiétant, ou parce qu'il y a un message très important qui passe à la radio, à la télé, j'en sais rien, à la gare, à l'aéroport. Donc je vais vous montrer aujourd'hui les différentes manières de dire « tais-toi » ou « je veux le silence » d'une manière générale en libanais. Je voulais vous dire au début des moins agressifs aux plus agressifs, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient tous agressifs, ou presque. Donc je vais vous montrer comment les moduler pour ne pas vexer l'autre, et peut-être même comment aussi les interpréter quand on les entend. D'une manière générale, je dirais que la manière la plus diplomatique pour demander à quelqu'un le silence, c'est justement de ne pas lui dire « tais-toi », mais en libanais, on lui dit « écoute un peu ». Quand on est face à un homme, on lui dit « smashway ». Quand on est face à une femme, « smashway ». Et quand on est face à plusieurs personnes, « smashway ». L'idée, ce n'est pas tellement l'écoute, l'idée, ce serait presque traduit par « attendez, écoutez, écoutez un peu ». En gros, taisons-nous et écoutons. Ça, je pense que c'est la manière la plus diplomatique de temporiser, de demander le silence à l'autre sans le vexer. Alors, vous savez, en français, on a le fameux « chut » qui est souvent agressif. Hein. Enfin bon, on peut tout à fait l'imaginer dans un domaine un peu plus enfantin, dans une école où la maîtresse ou le maître va dire « chut » à ses élèves. On a quelque chose de similaire en libanais, c'est pas tout à fait « chut », mais c'est « hess ». Alors, j'estime, mais c'est mon ressenti personnel, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, que le « hess » libanais est beaucoup plus violent, c'est beaucoup, est beaucoup plus agressif que le « chut » en français en fonction de l'intonation. Ça veut dire qu'à une intonation donnée, le « hess » peut vexer, à mon avis, davantage que le « chut ». Donc celui-là, je vous le conseille vraiment pas, sauf peut-être pour faire de l'humour. Il est souvent utilisé dans ce contexte-là. C'est « hess », t'as vu, j'avais raison. « Hess, modesma, je ne veux pas t'entendre. » La manière directe de traduire littéralement « tais-toi », c'est « skot » quand on parle à un homme, « skete » quand on parle à une femme, « skoto » quand on parle à plusieurs personnes. J'ai beau le tourner encore dans ma tête, d'ailleurs vous me direz là encore ce que vous en pensez dans les commentaires, je pense que quel que soit le ton adopté, on rentre plus ou moins dans l'agressivité et ça va être compliqué de ne pas vexer l'autre en lui disant « skot ». Alors éventuellement mettre le « shway » un peu de tout à l'heure en disant « skot shway », mais même ça, ça ne passe pas. Je préférais plutôt dire à la personne « smashway ». Petit aparté, on peut entendre cet impératif « skot » sur un ton complètement souriant presque, mais pour pas du tout dire à quelqu'un « tais-toi », mais au contraire pour dire à quelqu'un « hé, tu vas rire ». Comme si je disais en français « hé, tu vas rire », je pensais que c'était Pierre. Eh bien, on aurait la même chose en libanais « skot fakere tonoheida Pierre ». Eh bien, ce phénomène-là s'utilise également avec l'impératif de ce verbe, du verbe « se taire ». Là, on va vraiment rentrer dans les choses très agressives, mais vous devez les connaître. On a l'équivalent exact de « ferme ta bouche ». C'est quand on parle à un homme « sakert mak », quand on parle à une femme « sakert mik », et quand on parle à plusieurs personnes « sakro tumkun ». Vous me l'évitez, bien entendu, mais je vous l'apprends pour que vous soyez capable de le détecter au cas où. De pire en pire maintenant, là, les deux derniers là, que je vais vous donner, c'est le pire du pire. Le premier, « khras ». Quand on parle à un homme, chrasé quand on parle à une femme, et chrasso quand on parle à plusieurs personnes. Littéralement, c'est devient muet. Alors là, c'est vraiment violent, on l'évite évidemment, mais vous devez effectivement, comme tout à l'heure, le connaître, être capable de le détecter pour comprendre ce qui se passe dans un contexte donné. Le pire du pire, je l'ai laissé pour la fin. Alors attention, c'est pas une liste exhaustive que je vous ai donnée, il y en a encore d'autres, hein, même de très vulgaires. Mais alors celui-là, je pense qu'il fait partie du summum de la violence. C'est « set bouzak » quand on parle à un homme, « set de bouzik » quand on parle à une femme, « set do bouzkon » quand on parle à plusieurs personnes. Les mots utilisés en soi sont plutôt neutres, parce que le verbe « set » veut dire « boucher », et le « bouz », c'est généralement l'orifice de quelque chose. Par exemple, j'imagine un canon, eh bien, l'orifice du canon, la bouche du canon s'appelle le « bouz ».
C'est l'avant, en fait, en quelque sorte. On peut même parler d'une voiture, bouze siyara. Là, carrément, c'est sa partie avant. Donc, vous avez compris, cette bouza, qu'en gros, ça veut dire bouge ton orifice. Donc, ça veut dire vraiment ta gueule, ferme-la. Par pitié, on l'évite, mais on est capable de le détecter pour comprendre tout de suite si nous sommes dans une atmosphère électrique, si la tension commence à monter. Comme ça, il y a les bonnes alarmes qui s'allument dans votre tête. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et au passage, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour que YouTube présente les vidéos d'À deux pas du Liban. Autre qu'à vous, mon fidèle public chaque semaine, mais à des gens qui ne me connaissent pas encore et qui seraient amenés à apprécier mon contenu. Vous les voyez tout le temps derrière moi dans les cadres. Ce sont les designs dont je suis très fier. Ils ne sont pas tous là, hein. Vous les verrez sur adepasduliban.com. Ces designs, c'est vraiment pour porter la culture du Liban avec fierté et avec humour et autodérision aussi un peu. Je vous invite à aller les regarder sur adepasduliban.com. Et aujourd'hui, chaque semaine, je vais en mettre un à l'honneur. Aujourd'hui, j'ai envie, il apparaît à côté de moi, de mettre à l'honneur l'Homo sapiens. Alors celui-là, ça a été beaucoup de recherches avec mon ami Sylvain, à qui je fais une grosse bise, de Mayo Ketchup, qui s'est occupé de faire tout le design. Et c'est lui d'ailleurs, quand vous passez vos commandes, qui s'occupe à trouver les t-shirts de qualité, les cadres de qualité, imprimer les designs dessus pour que vous ayez quelque chose de beau, de qualitatif. Eh bien, ce Homo sapiens, ça a été un vrai bonheur de le faire. Moi, je voulais absolument associer le plaisir de vivre et la relaxation avec le hummus, bien sûr, qu'on est nombreux à aimer. Mon idée de base, pendant le montage, je vais essayer de vous la retrouver, c'était de mettre quelqu'un qui fait de la méditation dans une assiette de hummus. Mais l'idée de Sylvain était bien meilleure, puisque pour ceux qui ont accès à la neige, vous avez déjà tous vu au moins dans un film le plaisir de faire l'ange dans la neige. Et là, l'idée, c'était la même. Il m'a représenté moi pour le modèle homme, le modèle avec un homme dessus, hein, pas pour le modèle pour homme. Hein. Vous êtes libre de prendre le modèle que vous voulez. Et Marie, ma femme, pour le modèle féminin, qui fait l'ange effectivement dans l'assiette de hummus. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ce design joli et si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir. Je vous le répète encore une fois, tous les designs sont disponibles dans la partie boutique ou cadeau d'adepasduliban.com. N'oubliez pas que les 48 heures d'essai pour venir prendre des cours de libanais avec moi sont toujours là, toujours la même adresse, adepasduliban.com. Laissez-vous guider par les rubriques du site, vous allez voir, c'est très clair. Et je vous attends en cours. Tabarakallah, connectir, ou pshufkon.